au stage de pilotage chez Surfing World of Fraude. Merci à Moto Center, à Moto Journal et VSD qui sont les co-organisateurs de ce premier short track Vardal de Paris. Bonne soirée, salut! Short track de Paris, disputé au Vélodrome de la Cipale à Vincennes. Côté français, Pidou, Chambon, Peter Hansel. Et côté américain, Mohed, Beyer ou Graham. L'idéal pour obtenir un cocktail explosif. Et c'est parti. Ne croyez pas surtout que les pilotes US ont eu la vie facile avec Peter Hansel, Chambon et Pidou. Il leur a fallu tourner la poignée de gaz dans le bon sens. Mais des gens comme Steve Mohed, deux fois number one aux États-Unis, nous ont offert un super spectacle de glisse. La technique est relativement simple. Attaquer dans la ligne droite, coup de frein arrière à l'entrée de la première courbe, glisse, contre-braquage, accélération et de nouveau la ligne droite. Facile, mais il faut le faire. Même combat avec les quads. Et là, Joël Bontou, l'inévitable et l'incontournable spécialiste, ne laissera aucune chance à ses petits camarades. Action! A noter quand même que ce super spectacle moto était complètement gratuit et merveilleusement organisé. Feu d'artifice bien sûr, mais aussi musique, light show, bref, sympa et surtout à refaire. Pour cette finale, Ricky Graham, ski privé, s'imposera de haute lutte devant Stéphane Chambon et Laurent Pidou, deux des pilotes officiels du ski. Décidément, il est des spécialités où il n'est pas besoin d'être officiel nippon pour monter sur la plus haute marche du podium. Départ, la main gauche au casque comme au super motard afin d'éviter faux départ et triche. 10 pilotes sur 6 à 12 tours de 320 mètres, des séries puis demi-finale et finale. Une prime à chaque fois au meilleur départ. Et une course hyper spectaculaire, tout en glissade. Un jeu pour les Américains, de véritables professionnels. Une découverte pour les Français de simples néophytes. La différence, la voici avec Steve Mohed, le futur vainqueur. Un vainqueur que l'on retrouve tendu au moment de la finale. Chambon, lui, a le sourire, mais pas pour longtemps.
15 tours pour défendre un leadership, s'affirmer le meilleur, the best, ce que Morehead ne tarde pas à démontrer. Et ce, malgré la menace incessante de Ricky Graham, un autre Américain. Le show, bien sûr, n'aurait pas été complet sans les pom-pom girls, encore plus belles de face, et sans les quelques pétards que je vous avais promis. Un feu d'artifice presque aussi beau que celui donné en l'honneur d'Olivier Ray, qui a épousé Anne hier soir à Levallois-Perret. Tous nos voeux de bonheur au short track pour les prochaines saisons et aux nouveaux époux pour la vie. Waouh, des filles. Des filles qui répètent sur un stade. Un stade avec des motards. Des filles et des motos. Ah bon, une course de moto de plus? Non, un plus dans les courses de moto. Le short track de Paris. Un plus parce que ça n'existait pas. Un autre plus parce que c'est gratuit. Nouveau et gratuit, impossible. Vous êtes conscient que ça va pas plaire à tout le monde, ça? Ça, c'est le problème de tout le monde. Mais alors, financièrement, vous en sortez comment? Ça, c'est mon problème. Et le problème a été magnifiquement géré. En fait, on a joué à bureau fermé. Ce sont les sponsors qui ont acheté les billets et qui les ont distribués. Réussite totale. Le stade de la Cipale a été rempli à ras-bord. C'est magique et c'est d'autant plus génial. L'association entre un organisateur, Sequoia, et deux journaux, VSD et Motojournal, a permis de réaliser l'impossible. Maintenant, tout est prêt. La fête peut commencer. La preuve que tout est prêt, les pilotes entrent en piste et les danseuses se sont habillées. Enfin, habillées. Principe du départ, on est au point mort, main gauche sur le casque. Au feu vert, on embraye et c'est parti pour 8 tours de glisse. La glisse, la reine du short track. Parfois, ça glisse trop, mais quoi qu'il arrive, le spectacle est total. Petit à petit, les pilotes français apprennent les trucs de cette discipline née aux États-Unis. Pidou numéro 69 ne s'est pas fait prier. Gaston Raillet se prend au jeu, comme tout le monde. Deux jours de course et les Français s'amusent comme des fous. Bien sûr, la palme du style revient aux Américains. Steve Morehead sur sa Honda Japoto, vainqueur d'un soir. Stéphane Chambon sera le meilleur élève et donc le meilleur Français. Vainqueur le premier soir, l'Américain Ricky Graham sur Husqvarna, un roi de la glisse. Quand la pureté du style atteint des sommets, un seul passage, c'est un peu frustrant. Alors comme tout est possible à Automoto, on remonte l'histoire à l'envers pour la revivre au ralenti. Premier short track de Paris. Le short track, eh bien, c'est une course moto dont le principe est extrêmement simple, une spécialité américaine, une piste en terre, un anneau en terre. Sur la piste, il y a des motos, sur les motos, il y a des pilotes. Tout le monde essaye d'aller le plus vite possible. Il y a un nombre de tours bien déterminé. Et puis celui qui couvre le nombre de tours le premier, eh bien, a gagné la manche ou bien la finale. Gaston Raillet, Stéphane Peter-Hansel, pourquoi est-ce qu'il y a autant de temps à attendre pour qu'on voit enfin le premier short track à Paris, Stéphane? Écoutez, je crois que le premier pas, c'était le plus dur. Brocherie et Vassard de Sequoia ont fait le déplacement aux États-Unis pour voir ces disciplines. Je crois qu'ils ont été fascinés par le spectacle et par les pilotes. Donc, c'est arrivé très lentement en France. Mais je crois que maintenant, il y en aura un chaque année parce que le public et les pilotes
se régale à avoir ses courses, donc ça n'aurait pas tardé à être très populaire en France. Bien, grand spectacle hier, c'était à la Cipale, à Vincennes. On va voir tout de suite quelques images tournées hier soir, avec un grand spectacle à l'américaine, avec pom-pom girl, drapeau, les pilotes américains étaient là, il y avait une énorme ambiance. Et puis, on va le voir tout de suite, on va le découvrir sur sa moto, Gaston Rayet, numéro 4. Gaston, vous nous avez dit avant le départ que vous aviez apporté quelques petites modifications à votre moto, lesquelles ? Exact, j'avais voulu faire une moto un peu, disons, très proche des motos américaines. Alors, j'avais, disons, centré le point plus bas au niveau de l'essence. J'avais raccourci les suspensions. On a fait pas mal de modifications au niveau de l'équilibre. Et disons que la moto se comportait pas trop mal. Vous m'aviez dit aussi qu'il manquait, à votre avis, 200 mètres sur cette piste pour que vous vous y sentiez tout à fait à l'aise. Pourquoi ? Et c'est vrai, parce que cette moto est une moto d'un gros calibre. Elle fait plutôt 800 cylindrées. Et disons qu'elle s'adapterait beaucoup mieux sur des grandes lignes avec, où il y aurait beaucoup de vitesse. Et là, malheureusement, la vitesse de pointe n'était pas très très élevée. Donc, la moto, est un peu handicapée. Alors, les pilotes se frottent un petit peu. Il y a énormément de spectacles. Il y a la poussière, il y a les pilotes américains. Ça vous a plu, ce genre de course ? Tout à fait, parce que d'habitude, on a pas l'occasion de se rencontrer avec des pilotes au coude à coude. C'est souvent en rallye africain, on se bat seul contre le chronomètre. Là, on est directement en contact avec d'autres pilotes. C'est à la limite de temps en temps violent et ça a son charme et c'est très très intéressant. Alors Stéphane, numéro 2, on vous voit en ce moment. Oui. Vous avez remporté assez facilement votre premier quart de finale. Pourtant, au départ, vous m'aviez dit c'est pas ma spécialité. J'espère que ça a marché. Vous n'étiez pas très sûr. Vous en êtes bien tiré finalement. Oui, ça s'est bien passé. Premier quart de finale sans problème. Enfin, il n'y avait que deux Américains spécialistes de la discipline, donc étant parmi les meilleurs Français, on pouvait espérer quand même une place en finale sans trop de problèmes. Gaston, ce genre de course, à votre avis, ça a de l'avenir en France et en Europe ? Ah oui, je suis certain que c'est un genre de discipline qui doit plaire surtout aux spectateurs parce qu'il y a de l'action et c'est ce qu'on recherche à l'heure actuelle. Et là, je crois qu'il y a vraiment un avenir si... des organisateurs du style de Sequoia continuent à vouloir organiser de ce type d'épreuve, je crois que ça deviendra très très populaire. Bien, il y avait énormément de monde hier soir, oui, le public avait l'air ravi. Complet. Il y avait plus de 15 000 personnes. Elle est artificielle, un textile de protection pour ne pas abîmer la pelouse, une chape stabilisée de porphyrose d'une vingtaine de centimètres pour la piste qu'il convient de tasser, d'arroser pour lui donner une certaine stabilité, parce qu'elle va vibrer cette piste. Vibrer au rythme d'une sono d'enfer, d'une passion dévorante, voire même de quelques pétards, comme dans toute soirée actuelle, digne de ce nom. Les motos des 600, monocylindres 4 temps, privées de frein avant pour mieux favoriser la glisse. Des motos qui tournent même toutes seules. Des pneus à dessin pour pouvoir accrocher et de bons pieds pour pouvoir résister au choc. Reste à enfiler la ceinture, prier Dieu avant de boucler son casque. Un problème, c'est au niveau de l'entrée du virage, on est carrément un ton en dessous, mais par contre, bon, c'est sûr que c'est impressionnant de bagarrer avec les meilleurs américains, mais ce qui peut nous consoler, c'est qu'il ne manque quand même pas grand chose pour pouvoir les battre. Donc si on a d'autres épreuves en France et qu'ils reviennent l'année prochaine, on aura déjà plus de chances de les battre. Vous pêchez sur un plan technique ou sur un plan physique ? Sur un plan technique, tout à fait. Il nous manque la technique short track, c'est-à-dire l'entrée du virage, la moto en travers, ce qui sert à freiner la moto à l'entrée du virage. Ça, on n'y arrive pas du tout et c'est là qu'il gagne des précieuses secondes, c'est clair. Gaston Rayet, piloté donc sur ce premier short track international de Paris, qu'en pensez-vous ? Ben, je veux dire que c'est quelque chose d'intéressant, c'est impressionnant même parce que on prend de l'angle là, quand même à des vitesses impressionnantes, on roule à, je vais dire, plus de 100 km/h et rien qu'en glisse, c'est pas évident. Au niveau spectacle, ça doit être super parce qu'on voit les motos complètement en glisse tout le temps avec des bagarres, comme c'est des courses très courtes. Je crois que ça va être vraiment un très très beau spectacle. Je crois que tout le monde va se régaler, les personnes qui aiment la moto et même les autres vont voir quelque chose de bien. Stéphane Peter Hansel, donc le premier short track de Paris, ça vous plaît ? Écoutez, à première vue, c'est super sympathique comme discipline. C'est de la glisse du début à la fin. Donc on s'éclate, mais par contre, j'étais pas habitué à ce rythme.
C'est vraiment très essoufflant et très dur physiquement aussi. Bien, on a plusieurs pilotes américains qui sont présents. Est-ce que vous pensez que les Français peuvent, disons, les approcher au cours des finales ou peut-être de la journée de demain? Bah écoutez, pour l'instant, on n'a pas du tout le même style qu'eux, donc ça sera très dur. Ils ont une technique bien à part, ils ont beaucoup d'habitude à pratiquer ce sport. Nous, on découvre à l'instant, donc je crois que pour l'instant, on va être en retrait. Peut-être qu'en fin de journée, demain, on arrivera à les accrocher, mais ça va être quand même très dur. Hein. Le départ est donné un par un, puisque je vous rappelle, il s'agit d'une démonstration. Ils roulent sur trois tours, démonstration de grand talent, je l'avoue. Regardez comme ils envolent. Messieurs les espoirs, oh là, on se relève. L'avantage effectivement de courir à cet âge, c'est qu'on se relève très vite. Allons, on adore le courage malheureux, bah, bien sûr, je veux. Mais je vous le rappelle, il ne s'agit que d'une de démonstration. Parce que l'on arrive dans quelques années, et ben voilà.